Yon rêve qui vini yon réalité. Ou pas capable contente des nouvelles ça puisque la police gagne propre l'hôpital pâle. Ça fait longtemps yon a souffri pour problème soin cause les yon sorti nan mission yon kon blessé. Soin yon pas chambre kon facile vraiment. Eh bien, jounen jodi a la police gagne propre central l'hôpital pâle. M'pral bon tout détail. Sou qui est l'hôpital ça a te commencé construit? Combien cob li coûte l'état? Qui ça qui gagne en dedans l'hôpital là? Qui mode de soin yo pral bay avec policier yo? C'est toute information sa yo ak yon paquet lot m'a pote pour nan vidéo sa. Mwen conseille ou rete la jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait nous confiance pour nous informer. Merci parce qu'on toujours été yo fanatique fidèle ensemble avec Chanel si la. Merci parce qu'on abonné. Merci parce qu'on like. Et merci parce qu'on toujours quitté commenter pao. Oh, ça fait un plaisir, ça fait me sentir bien, les que nous fait genre de bagaille ça yo. Et ça permet, ça pousse, ça bon plus engouement pour continuer marcher, chercher tout côté dans tout situ pour me porter information pour ak tout détail dans bon petit mamite. Encore une autre fois, sous fait tomber sous Chanel ça, me conseille abonner et activer cloche notification par là dès quoi n'importe vidéo qui poste, YouTube lui-même ap capable remettre toutes notifications par là comme ça ou ap capable toujours été informé. Nous tout connaît dossier la santé c'est une casquette chinois par Borisite. Mais pour la police bagay la pi difficile puisque nous songe l'hôpital général li pa trele le li pat rele l'hôpital général à l'époque, c'était l'hôpital militaire et puis yo vin virel pour tout civil capable aller là-dedans. Dans tout pays dans monde là, toute force armée qui gagne sous territoire, yo toujours construit un hôpital pour yo décroît. Si ta gon affrontement, si yo ta victime dans cadre travail, yo pas besoin courir river dans tel hôpital, pas gain place, pas gain urgence pour y courir monter courir descendre. Mais yo gagne propre hôpital, pa yo et non seulement ça tout, yo gagne docteur. Pa yo, yon façon pour que yo même yo pas manquer soin, c'est consalier. Donc tellement bagay la aller loin ou qu'on ouais n'importe grand pays calé dans guerre ou toujours sorti ensemble avec kit yo pour capable bay premier soin. C'est vrai que chaque soldat gagne kit pal dans valise si pendant que l'état sous champ de bataille là et puis gagnon incident passé pour gagner bay tête les premiers soins parce que yo apprend yo ça pendant entraînement pour yo apprendre bay tête yo premier soin et non seulement ça tout si frère dame qui bon côté yo arrivé frapper pour yo même yo capable soutenir et descendre dans base avec pour capable faire suite nécessaire si ça pas ka fait tout si ka grave sous site là donc ça yo fait rapidement yo capable reler yon hélicoptère ou bien yon ambulance transporter soldat ça pour le capable al prend soin faire suite nécessaire face avec frappement ça que li arrivé pour. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs comme nous te comme dernièrement là nous songe première fois les policiers ont été sortis pour manifester et puis gagne un qui dit monsieur menem l'hôpital prend balle prend balle. Donc bagala te on ti jan paraît funny mais policiers pas ta kanan jan de causer ça yo parce que ou son institution qui la pour protéger ses vies donc pour protéger faut ou même ou protéger d'abord donc pour servir moun yo faut ou même te gon service qui réservé pour ou d'abord parce que nous connaît même la Bible dit mesdames mademoiselles et messieurs aime ton prochain comme toi-même pas plus que toi. Donc en ce sens, c'est vrai que la police là déterminée pour que les protéger population mais si dans cadre travail il arrive blessé ou bien il a gon l'autre bagaille qui grave qui passait au moins faut capable gagne ambulance sous place, faut que yo capable gagne yon l'hôpital de référence, yo connaît depuis yon rentre là ensemble avec yo, c'est pas comme yo attendre pour capable manyen ou bien yo pas passer dans administration. Mais depuis yon relais seulement ambulance ça faut qu'il toujours là, toujours prêt donc pour Joss entrer seulement. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui passait, l'hôpital ça a déjà commencé construit sous président Michel Martelly. Eh bien,
Président Jovenel Moïse lui-même, lui continue à faire suite parce que lui t'a senti la police là a besoin ça et ça qui plus grave, c'est vrai que l'hôpital ça t'est déjà construit. T'es gon premier tranche cop qui t'est débloqué dans fond Petro-Caribe pour l'hôpital fini. L'argent boule le pas fait. Nous kon dossier yo, une gon deuxième tranche l'argent 31 même temps en imparfait. Eh bien, c'est sous président Jovenel Moïse, journée jodi a yo arrivé inauguré. Nan jour qui t'est passé là, sous t'est passé dans l'hôpital là côté qui poko fini yo, eh bien, en dans l'hôpital là, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est côté pour marchandises, moun kap van, c'est là où te kon vin mette marchandises yo. Mais comme kounya, journée jodi a même, l'hôpital sa li arrive inauguré, donc c'est sûr, toute saleté sa yo, yo sorti dans la cour, et non seulement ça tout, li vin plus structuré. Pour la police la te jouen souen, c'est pas yon bagay ki facile. Yo gon assurance ki inefficace. Femme dit nous, gè 17 000 policiers qui se mab au Fatma. Ou au Fatma lui-même, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est que Lila, c'est pour occuper employés fonctionnaires publics. Chaque mois, gè un total de 117 goudes qui sorti sous chaque chèque policier pour capable aller dans assurance. Donc, ça nous relève frais d'assurance là. Eh bien, ça qui passe, m'pas qu'on est nous, pas m'en cause, c'est moi qui ba nous cause, moi pas qu'on est tout. Si, au Fatma lui-même, c'est poisson boucané li mange avec l'argent ça, ou bien c'est saucisse li mange avec elle, eh bien, c'est en bas en pile misé, en pile redi, en pile temps pris souple pour le bail l'hôpital yo l'argent ça. Donc, gène kote ça qui vient passer, yo obligé fermer porte yo, yo di yo pa bay la police soin puisque le au fin bay soin, au Fatma pa jam paye l'hôpital là, yo pa jam débloquer comme. Le au reste débloquer on ti cal là, pa pense ou ap jwenn reste là et tandis que comme ça touché chaque mois sous chèque chaque policier. Jusqu'à présent, l'argent li nan caisse nou poko konn. Qui ça l'a fait ou bien si c'est poisson boucané yo fait avec. Eh bien ça qui t'est venu passer vu avec Jean la police te qu'on a frappé parce que temps en temps gain mission pour l'accomplir et ceci dans la rue a arrêté qu'on s'entendait bidi bidi blou la police yo tiré. Bagala te on ti Jean paraît difficile les comme ça qui l'hôpital yo toujours courir entrer ensemble avec yo c'est dans l'hôpital Bernard Meuse. Donc vu avec ça qui t'a passé à cause que en fait Mali même li pas payé tant que li doit dit eh bien ça a obligé fait l'hôpital Bernameuse t'est obligé signer un contrat avec autorité l'état yo pendant un an côté que yo bayon contribution yo façon pour yo capable joindre soin yo façon pour yo capable prendre soin policier yo qui victime dans cadre travail yo. Initiative ça t'est fait un gros pas positif mais faut que nous connaît tout mesdames mademoiselles et messieurs santé la police là pas concerné seulement soin urgence donc jeudi à même et inauguration en fait et non seulement ça tout déjà gagnon équipe médecin qui prend le travail là et urgence là vraiment raide donc gagne ti bagaille qui améliore quand même et parmi ti wash ti goûte graisse bien j'en étais capable d'il puis au lieu de pas dit tout puis donne trouble hein nous comprenne donc madame mademoiselle et messieurs au moins et bah là on ti gens amélioré face avec situation qui konn gagner l'arrivée l'hôpital policier il frappé ou bien dans cadre travail li ça vient passer l'arrivée l'hôpital y a du pas gicob y a pas brassir ceci donc les con sa famille tête fan moucho y a promené tout côté pour capable joindre l'argent et dans moment ça qu'arrivé moun n'a bay sans li arrivé perdi la ville mais vi avec l'hôpital ça qui vient fait pour la police même donc moi penser santé la police capable améliorer pas seulement les que yo gon souhait urgence mais la police la besoin en forme sous toute forme nous comprendre samedi nous faut que ti monsieur nous yo OK faut que ti mesdames nous yo chum faut que yo en forme sous toute forme faut santé yo garantie vraiment pour capable protéger comment capable comprendre pour grand goût pour malade pour protéger soit protéger ou pas protéger yon merde donc en ce sens mesdames mademoiselles et messieurs nous penser ça capable améliorer dans cadre inauguration ça et bien GPNH là qui c'est Léon Charles te prend la parole on va le faire entendre qui déclaration te fait n'a tourner dans un petit temps qui pas trop long. Dans la foulée de la célébration des fêtes du Nouvel An, une curieuse coïncidence a voulu que ce soit aujourd'hui, ce 4 janvier 2021, que se tienne la cérémonie officielle d'inauguration de l'hôpital destiné aux membres de la police nationale d'Haïti. Pouvait-on rêver d'un meilleur cadeau dans de telles circonstances?
Au-delà de toute la fierté que nous pouvons ressentir en tant que membres de la BNH, de disposer d'un tel immeuble dans notre patrimoine, c'est le rêve de plusieurs générations de policiers qui est devenu une réalité aujourd'hui. L'événement auquel nous prenons part en ce moment revêt beaucoup plus de symbolisme qu'une quelconque cérémonie d'inauguration d'un édifice public. Cet investissement représente non seulement une réponse sûre et objective à l'un des besoins primordiaux exprimés par le personnel de l'institution policière, mais surtout la concrétisation de rêves depuis longtemps caressés par le président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, Son Excellence M. Joseph Joute, celui de doter la BNH d'une structure de soins de santé. D'un point de vue général, la santé est essentielle au bonheur et au bien-être des gens. Dans une étude publiée en 2009, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une meilleure santé contribue de manière importante au développement et au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Ainsi, parmi les multiples interprétations envisageables, eu égard à la présence de ce nouveau bâtiment, nous pouvons retenir seulement 3 afin de faire l'économie du temps. C'est une option en plus. C'est une garantie de sécurité sociale. Et c'est surtout une preuve de maturité institutionnelle. Mesdames, Messieurs, un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la BNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cet ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la BNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures du pays et leurs administrations. Cette nouvelle structure va nous permettre de pallier à de tels inconvénients. La dernière considération nous porte à voir en cette acquisition une preuve de maturité institutionnelle. En effet, aujourd'hui, avec un effectif de plus de 15 000 membres de l'institution, les besoins en santé deviennent de plus en plus considérables et énormes. Aussi, avons-nous mis trop de temps même à doter la BNH de son propre centre hospitalier. Ce dernier, destiné à prendre en charge tous les cas qui lui seront soumis, aura prioritairement pour patients les membres de l'institution et leurs ayants droit. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion pour tout le haut commandement de la BNH d'exprimer sa profonde reconnaissance au chef de l'État, Son Excellence M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, Son Excellence M. Joseph Joute, et à notre ministre de tutelle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ici présent avec nous. De plus, nous ne saurions faire l'économie de nos remerciements chaleureux à l'endroit de nos partenaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour leur support inestimable et inconditionnel. Donc, une fois de plus, Monsieur le représentant de l'ANL et de l'ambassade américaine, un grand merci. Enfin, nous devons une fière chandelle à vous toutes et à vous tous qui avez contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de tel édifice. Chapeau. Mesdames, Messieurs, ce complexe administratif, dont des infrastructures dignes d'un centre hospitalier moderne, est susceptible d'offrir
à chaque membre de l'institution policière une raison d'être fier. Fort de ce sentiment de reconnaissance, c'est au nom de chaque membre de la PNH que nous recevons les clés de ce centre hospitalier. Je vous remercie. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ça causé à tailler nous espérer et la police protéger ça et non seulement ça tout monsieur dame fantôme 609 yo faut que nous pas bouler parce que nous connaît des fois nous rete nous très très stupides et moun k'ap manifester k'ap voye roche k'ap craser yo tous mes amis et s'il vous plaît t'en prier nous font bay vague et non seulement ça tout la police moi qu'on nous salope en pile tout donc protéger l'hôpital là bas elle pas dit c'est l'état qui pas ba ou balé pas dit c'est l'état qui pas ba ou vitrex pour nettoyer vite yo faut que nous propter yo parce que nous gonti sans salope la caille nous et puis qu'on entendez président pas balé pays chaque jour les voit manger nan boîte carton ou boire sachet d'eau quand on la gefatra bon out là et pour attendre c'est président qui pour quitter pèlerin 5 descend vin balé pour faut que nous retirer ti sans mal propre ça ou la caille nous mesdames mademoiselles et messieurs, li pa bon. Donc tout autant que ou capable protéger son gain, ou kay ou gain, ou a peinturer, ou a prendre soin, c'est temps que durée de vie vienne plus. Mais tout autant que ou pas prendre soin ou maltraiter, c'est temps ou a appauvrir, c'est temps ou a refermer là parce que ou pas jamais prend soin ça go gagne. Même j'en ouais ko adou fòk li manger chaque jour, même j'en ouais l'aurait to tellement senti chalet sous pas sangouin, fòk ou lever pour al bien, et bien c'est de même ou gon kay fòk peinturer ou gen l'hôpital fòk toujours fait propter là-dedans yon façon pour le capable dire ou plus longtemps comme ça les pral gagner ou a toujours gon l'autre a gagné deux mais l'autre était ou pas jamais ka gagner deux autant qu'on raffiner chaque sort gagne on craser les pour camper ou attendre l'autre là et bien c'est bac ou fait plus c'est pas avant ou fait plus nous espérons que toutes mesures à prendre pour protéger l'hôpital là et non seulement ça tout j'aimerais mettre nous gens le propre là pour nous gagner le propre comme ça et ceci pour la police même capable jouer un soin vraiment qui particulier. Mesdames, mademoiselles et messieurs, maintenant, c'est l'heure pour nous faire place avec Voix d'Amérique, Presse Information Nationale et Internationale. Donc, actualité en pays d'Haïti, nous avons dit que samedi 2 janvier 2021, président République la Jovenel Moïse, il était honoré, mémoire, dans cette côté, il était allé sous place et mausoléa, dans Chon Masla. Et dans l'occasion, président Kounou Kapabouella, président Gavel, et première dame nan, Martine Moïse, li te Gavel tout, premier ministre la, Joseph Jout, ak l'autre ministre dans le gouvernement, président, d'après tradition, Kounou Kapabouella, te déposé yon jeb fleur, mais jeb fleur là, nan, en mémoire et ou indépendance, et te Kounou Kapabouella, mausoléa, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et tout l'autre héros qui te travaille pour nous te capable gain indépendance 1er janvier qui se passe là, c'était yon fête, yon moment historique dans la vie nous. Bon, et selon tradition, président, et contrairement à tradition, président Patale Gonaïve, l'italé plutôt dans Mounpana, mais jo fête des aïeux, elle t'allait dans mausoléa, côté que, eh ben, l'ité honoré, et mémoire zansetio. Et fondi 24 heures avant ça, soit 1er janvier, dans l'occasion fête indépendance là, 1er janvier, eh ben, président Jovenel Moïse, tant qu'on te dit déjà, dans Grand Titio, t'es exposé trois grands points pour année 2021, électricité, élection, et puis nouvelle constitution. Elle t'a tout profité, comme d'habitude, expliquer l'utli en faveur bien-être population. Elle t'a tout profité, eh ben, et tant qu'on dit shooter ou bien attaquer yon secteur nan pays a ki pa vle développement. Président Jovenel Moïse. Décision qu'a pran yo jodi a pour faire gros réforme nan pays a. Décision sa yo gon catégorie de moun, m vle parler de oligarque corrompu yo k'ap souse mamel depuis dig d'antan, yo pa nan intérêt yo. Au lieu de changer méthode de travail, yo, au contraire, yo continue à financer chaos, violence et instabilité dans le pays pour faire plus de contrebande, pour faire plus de spéculation dans les affaires changer l'argent, pour profiter de signer vieux contrat malachon sous le peuple, pour ne pas payer taxes et impôts, yo doit l'État, pour alimenter la vie chère et insécurité. En gros, yo détruit toute institution publique. Yo.
Yo détruit toute institution publique yo nan avantage pa yo. Jodi a après 217 l'année, nous rive joindre un groupe femme ak garçon ki nan l'état ki rive identifier vrai mal pays a. Jodi a c'est pour nous tout mettre ensemble pour nous traiter question ça. Mal pays a c'est ça je dis là yo. C'est moun ki décide que l'état a, c'est pour yo lié. Ou magistrat en commune il y a des décisions qu'on va rien voir pas parce que un gros chabrak qui était dans commune là c'est lui même qui a dirigé. Je dis avant magistrat faut nous prendre main nous. Et c'est ça moi qui commence à faire dans le pays là. Et c'est pour ça moi dit que Dieu population pour l'ouvert nous même qui a dirigé le pays à vos yeux pas nous ouvert avant ministre, secrétaire d'État, premier ministre, sénateur, magistrat, kazek, azek, délégué ville, toute autorité, gros fonctionnaire public. C'est pour Dieu nous ouvert. Avant, après pour Dieu, peuple a ouvert. Parce que complot, Jean-Grand Mouniodil, il est pire de Bajewanga. Si nous pas mettre tête ensemble pour nous craser sous deux monde ça yo nous pas jamais ca quitter un pays meilleur pour génération qui va venir ça m'a donné pile courage li m'a donné pile engagement tout gros savé dans pays ya me voulais parler de monde qui connaît li bien yo a écrit bien yo moment arrivé pour nous poser tête nos questions ça yo. Qui engagement nous prend pour société? Comment ça n'a dit, ça n'a pas écrit, contribuer dans un changement réel société? Qui va aller défendre réellement? Qui jeunesse nous voulons former ou bien nous former pour la génération qui va venir? En définitive, qui pays nous voulons? Vous savez, posez une question ça. Donc c'est autant de questions que le président Jovenel Moïse t'a posé dans l'occasion du discours, les t'a mis devant la population. 1er janvier qui se passe là, qui c'est indépendance pays d'Haïti. Yon l'autre fois encore, t'a lancé yon appel à l'union et il t'a voué le bail opposition politique là, il demandait pour yon ressaisir yon. Et donc, comme d'habitude, président expliquait lutte que l'a fait. Et il parlait de oligarque yon l'autre fois encore. Et réaction plusieurs leaders dans opposition rejeté appel à l'union que président voyait by opposition. Yon reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. René Civil qui c'est leader parti politique émergence patriotique et bitou membre opposition démocratique là dit président Jovenel Moïse doit quitter pouvoir 7 février 2021. Parce que mandat à bout. Mandat Jovenel rete à peu près 34 ou bien 35 jours. Tout ça Jovenel a dit c'est di pipi de chat. Parce que Jovenel connaît même patron qui se trompe pas envie quitter là avant l'aller. Et il connaît le 7 février 2021, c'est la fin de son mandat. Son locataire était non caille non bureau mettre caille la mandé ou pas gagne l'autre bagaille pour faire c'est remettre clé là. Jovenel pas besoin de faire prétexte ça pour altouiller monde pour faire bacraser bagaille monde ou déchou que pays a pas prêt pas qu'à prendre déchou caille pays a pas qu'à prendre une violence et j'aimerais Jovenel la pousser peuple à faire. Article 3 en fonction 7 février 2017 et 2017-2026, là-bas au 5 l'année. Non, pas oublier. Article 234, 134 print de constitution a dit, quelle que soit la date des élections, c'est la 5e année mandat présidentiel, quelle que soit la date d'élection, mon mandat a fini dans 5e année. Donc, les mandats privés finis. Élection t'est commencé, mais non seulement élection t'est commencé, y a pas de faire l'autre loi électorale, y a pas de monter l'autre conseil électoral, n'accord qui t'est signé avec privé là,
était normal qu'on ait ce mandat Jovenel. Et ma parole d'où, les typiquement référentiel, depuis mandat député au fini, président arrêté 5, arrêté 1 an. Président Jovenel Moïse, beaucoup de pal fait connaître que ce 7 février 2022, mandat la bout, Lydie l'a organisé élection législative, présidentielle, ak local, yon dans l'année 2021, yon déclaration, ou une civile, rejetée. Gros débat continue à fait dans la société haïtienne, nan, pour connaître est-ce que c'est 7 février 2021 ou bien 7 février 2022, président Jovenel Moïse doit quitter pouvoir. N'a pas rappelé que, pour qu'on gagne un coup constitutionnel qui pour trancher sous question ça. Moi, c'est Renan Toussaint, sous place dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Donc, et dossier arrêté, tout ouvert et débat continué. Est-ce que le président doit aller 7 février 2021, tant qu'il y a un paquet de monde en opposition à Mandel, ou bien l'après aller 7 février 2022, tant qu'au président dit, avec tout le monde qui partisan en lieu, par le national dit 7 février 2022. L'autre point dans l'actualité en Haïti, toujours police nationale a bénéficié d'un centre hospitalier qui pral servi policiers yo, et c'est en présence et premier ministre Jote et représentant ambassade américaine avec plusieurs agents qui dans différentes unités en dans institution autorité policière possédé à cérémonie inauguration nouvelle structure hospitalier ça jeudi lundi 4 janvier 2021 directeur général PNH là Léon Charles. Un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cette entité, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la PNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures du pays et leurs administrations. Cette nouvelle structure va nous permettre de pallier à de tels inconvénients. La dernière considération nous porte à voir en cette acquisition une preuve de maturité institutionnelle. En effet, aujourd'hui, avec un effectif de plus de 15 000 membres de l'institution, les besoins en santé deviennent de plus en plus considérables et énormes. Aussi, avons-nous mis trop de temps même à doter la PNH de son propre centre hospitalier. Ce dernier, destiné à prendre en charge tous les cas qui lui seront soumis, aura prioritairement pour patients les membres de l'institution et leurs ayants droit. Fort de ce sentiment de reconnaissance, c'est au nom de chaque membre de la PNH que nous recevons les clés de ce centre hospitalier. Je vous remercie. Donc c'était directeur général PNH là, Léon Charles, dans l'occasion inauguration centre hospitalier ça en faveur policier. On dit que son centre qui ouvert tout au public d'après directeur médical police nationale, docteur Paul Audemars François, eh bien la portée précision sous aspect technique structure hospitalier ça qui capable kembe 80 cabanes et la travail 24 sur 24. Bénéficier de un pile équipement de coopération bilatérale américaine et nous bénéficier tout de donc et coopération bilatérale américaine c'est à travers de une structure que les ANL donc et chapeau bouillot donc coopération ça me pense que il y a très bientôt il y a gain pour venir nous en aide par rapport avec toute l'autre proposition et toute l'autre avancée que nous supposons faire sous d'autres départements que l'hôpital Sabgain. Mais nous avons dit que l'hôpital a déjà commencé avec une clinique externe qui est déjà bien établie. Nous avons une clinique dentaire tout qui est en donné. Nous avons tous les départements
structures hospitalières de base yo déjà là. On m'a parlé de département de médecine interne, on m'a parlé de chirurgie. Et nous gagnons embryon d'ICU, nous avons un bloc opératoire qui gagne deux salles d'opération. Et une salle de petite chirurgie, donc une troisième salle. Et puis nous gagnons deux salles d'accouchement. Nous avons un département de néonatologie. Donc dans l'ensemble, nous avons dit non, que l'hôpital ça il paraît pour lui faire partie de meilleure structure, une meilleure structure sanitaire que pays a besoin, que pays a mettre compter sur lui. Donc policiers, policières et également population civile là, nous connaît que les urgences enquête de proximité en c'est l'équipe à la réponse à l'urgence. Donc population civile là toujours qu'à bénéficier dans des activités ponctuelles et services qui au niveau de structure hospitalière ça. Donc mes policiers mettent garant que avec toute jeune médecin, policier, infirmière, policier qui est dans les structures, ça, il y a besoin de soins, nous avons déjà 24 sur 24, avec un roulement qui fait par semaine, pour eux, comme vous connaissez une zone difficile, mais job police, c'est salé. Et éventuellement, nous avons que, en plus, il y a des projections que nous avons pour nous faire par rapport avec Gondry que nous avons mal construit très rapidement, cafétéria que nous avons construit très rapidement, et potentiellement, un projet d'hélicoptère, un espace, donc un hélipad, pour nous gagner peut-être un hélicoptère ambulance. Donc c'est vœu par moi pour structure sanitaire ça, pour payer, pour nous gagner possibilité, pour nous capable faire des extractions. Je dis que sur l'hôpital de 80 lits, c'est une très très bonne question. Donc sur l'hôpital de 80 lits, service gratuit, mais je me dis non, c'est que sous base que nous gagnons dans la police, hein, nous allons greffer un plateau technique. Donc profiter tout saluer les frères Bitard qui a une expertise déjà et qui est habitué à travailler déjà pour la police. Donc, on va le bénéficier parce qu'il y a campé des structures, ça. Donc, nous pas le gain plateau technique de jumeaux. J'aime nous connaître les facultés, des docteurs Bitard, également de Fondation Bernard Meuse qui derrière. Donc, nous pensons que toute structure, ça, va venir en backup à l'hôpital central de la PNH. Donc, nous pensons que c'est un gros plus. Mais déjà, nous a dit nous que, un plateau technique, réellement, les fines lames, j'aime te dire déjà dans un propos de circonstance, déjà en dans structure là. Donc, plateau technique là, c'est lui pas le permettre que la structure hospitalière là, il atterrit. Donc, ça veut dire que, quel que soit l'urgence là, nous avons des neurochirurgiens, nous avons un plateau technique conséquent. Paul Audemars François, c'est directeur médical police nationale là, qui tape by précision sur aspect technique, structure médicale ça, qui c'est l'hôpital central la police nationale là cap ouvert 24 sur 24 tout soin yo ap gratis et même médicaments tout et pour c'est pas seulement pour policiers ak policières mais c'est pour population en tout. Nous pral en province et nous pral plus précisément dans département sud pays a côté pour démarrer année 2021 plusieurs centaines jeunes dans ville Okaï t'es participé dans une conférence débat avec économiste Edzer Emile qui t'est présenté sous thème participation citoyenne et jeunesse et développement. Bah, me reprendre participation citoyenne, jeunesse et développement. Yon reportage, Jean-Ernst Eliscar. Participation citoyenne, jeunesse et développement, c'est sous thème ça. Plusieurs centaines de jeunes ont participé dans une conférence débat. Économiste Edzer Emile t'est animé dans la ville Okaï. Côté le thème était accent sur participation, implication, engagement citoyen, yo, plus précisément jeunes dans affaires pays. Plus loin, économiste Edzer Emile croit li important pour jeunes yo pas quitter élection ba yon ti groupe moun nan pays ya. Extrêmement important. Jodi a l'op fait élection a gen 15 17 18% participation et en pile nan jeunes yo pa aller. Donc c'est espace ya bay pour que de l'autre moun capable décider nan place yo. Donc jodi a gon nécessité non seulement pour nous faire émerger un leadership qui gagne en pile moun qui capable jeunes mais pas jeunes seulement qui n'a pas de partenariat hein, entre jeunes et les vieux. Mais aussi pour capable gagner une émergence d'un leadership qui honnête tout, un leadership qui crédible, un leadership qui éclairé, qui capable mener pays au bon port. Et ça, li très lié avec participation jeune dans question élection, parce que si au campé de yon, il pas capable influencer question dans sens par yon, et faut que yon représentant, faut que yon capable dans position de décision si vous voulez même émerger, si vous voulez même intégrer politiquement, socialement, économiquement. Si vous participez, là toujours gen san gen la aujourd'hui là. Yon l'État qui construit contre nous, yon l'État qui construit, qui pas intérêt nous, qui pas intérêt emploi, qui pas gen agenda gen rapport avec émergence jeune, qui de préférence a pas encourager moun ki te pays ya. Donc quelque part, jeune yon obligé intégrer pour yon, en fait, yon obligé participer pour yon ka intégrer. Économiste Edzer Emile
te tout profiter occasion pour dresser un bilan sous façon gouvernement haïtien te mené bak pays a pendant année 2020. Parce que jodi a là, pas besoin apprendre personne ni, nous en face d'un échec collectif et li clair, ou pas même besoin di moun le contraire pour que ou li, yo wel pou koyo avec deux yeux et a vivre chaque jour avec misère. J'aime t'a dire en conférence là, comment en 2021 pour que 3 millions moun en Haïti pa gen Baptiste, comment en 2021 pour que 2 millions moun ki pa gen côté pour faire besoin yo, c'est sous galette, c'est dans sachet, c'est dans rager, c'est bord de l'eau. Comment on gagne 500 000 moun dans pays a, ti moun ki gen l'âge pour aller l'école et qui pa gen chance à l'école. Comment on gagne 6 millions moun dans pays a, moitié population qui pa ka manger chaque jour. Donc pour moi, c'est ça fait oui. Donc c'est pour une question de pays a marcher, pays pas marcher. Les faits sont là, la réalité est là, le pays ne fonctionne pas, l'économie ne fonctionne pas, pas gen travail et gon ti groupe moun ka profiter son complot entre un groupe économique et un groupe politique pour tout pays a et nous croyons que faut nous dire ça suffit. Il faut que nous fassions l'autre bagage. N'a pas signalé débat qui était déroulé entre économiste Edier Emile et un groupe jeune dans Vilokay. C'est une initiative Bag Arts, une association jeune dans Vilokay. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Kay. Merci Eliska. Actualité politique et électorale là, ici aux États-Unis, situation très compliquée avec élection qui vient pour dérouler demain là dans Georgia, deuxième tour sénatorial yo, et avec président Donald Trump qui continue à mener campagne pour yota renverser et résultat qui bail Joe Biden comme 46e président les États-Unis n'a pompose. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à mettre depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous info, actualité politique électorale et les États-Unis chargés ce maintenant. Et jeudi, c'est 4 janvier. Demain, 5 janvier, c'est pral sénatorial, deuxième tour sénatorial dans Georgia, parce que ils ont un jeu spécial, ont un jeu politique extraordinaire, parce que si démocrates remportaient tous les deux et tous les deux candidats ont remporté la victoire, eh bien, yo pral givin gon pat pou pat nan et Sénat, et c'est Kamala Harris qui pral départager yo. Et pendant ce temps, président Donald Trump lui-même li continue nan campagne pou yo ta renverser décision qui bay Joe Biden comme moun qui remporté élection 3 novembre. Gen yon groupe député avec sénateur républicain qui déjà dit yo même yo pral prend position contre et résultat collège électoral là qui te bail président élu la victoire. Donc c'est une situation très compliquée dans le Congrès américain. Donc ça rendez-vous c'est le 6, et d'ailleurs président Donald Trump te bail rendez-vous avec partisans le 6. Donc le 6 pas bon ici, ça pral chauffer sérieusement parce que c'est le 6 que Congrès a pral gain pour prendre un vote, et c'est dernier vote là, dernier vote final là, avant prestation de serment qui est fixée pour 20 janvier 2021. Jean-Aubert Philippe. Un groupe environ 10 sénateurs républicains mettait avec une série de députés républicains annoncés par le coucher en quoi contre résultat élection présidentielle 3 novembre non, pendant session conjointe de chambre à organiser mercredi 6 janvier 2021. Tandis que 117e congrès a déjà prêté serment 3 janvier 2021. 6 janvier, c'est date congrès après le recompté bulletin collège électoral là pour certifier victoire candidat parti démocrate là Joe Biden. Une session vice-président Mike Pence a présidé. Nouvelle lui rapporté, il est capable difficile pour républicains de jouer une satisfaction, étant donné que les démocrates ont gagné une majorité dans la Chambre des députés avec 222 députés contre 211 pour républicains. Sans oublier si pas, les démocrates ont dit, il y a besoin bon côté, il y a une série de républicains qui dit, ils n'ont pas supporté effort collègues républicains à faire pour pas certifier résultat élection 3 novembre. Non. Annonce a fait tour quelques jours avant déroulement deuxième tour élection sénatoriale 5 janvier pour deux sénateurs dans l'État Georgie qui capable de déterminer parti cap contrôler grand corps. Président Donald Trump avec président élu Joe Biden a mené campagne pour candidat lundi 4 janvier avec objectif pour chauffer base sociale à voter pour qu'on ait qui laisse parmi deux partis politiques, démocrates ou bien républicains, cap contrôler Sénat. Président Trump a supporté sénateur sortant républicain David Perdue avec Kelly Loeffler,
tandis que le président élu Joe Biden lui-même a supporté le candidat démocrate John Ossoff et pasteur Raphael Warnock, yo même cap cherché déloger deux candidats républicains yo. Tandis qu'il a été forcé à aller dans un barrage après qu'il n'ait pas remporté une majorité dans l'élection sénatoriale 3 novembre. État Georgie était dans centre accusation président Donald Trump a été fait pour dire que t'es coquin dans l'élection pour favoriser le candidat parti démocrate là Joe Biden. Accusation officielle État qui c'est républicain rejeté pour être dit pas de fondement. Tribunal a rejeté action légale campagne candidat parti républicain Donald Trump a fait pour renverser résultat élection. Dimanche 3 janvier, journal de Washington Post rapporté président Trump a gagné une longue conversation dans le téléphone avec le secrétaire d'État Georgia Brad Raffensperger pour demander de chercher quantité de voix nécessaire pour aider le renverser résultat élection en faveur. Président Trump dit pendant la conversation téléphonique ça, il a seulement besoin 11 780 voix pour remporter la victoire dans l'État devant le candidat parti démocrate là Joe Biden. Si les démocrates ont remporté deux sièges dans le Sénat, eh bien, il y a gagné même quantité de sénateurs avec les républicains, soit 50 chaque côté. Donc, vice-président Kamala Harris pral départager dans le cas de vote la égalité dans deux camps. Si les républicains ont remporté une dans deux sièges, eh bien, il y a contrôlé le Sénat et puis les démocrates eux-mêmes a contrôlé la Chambre députée. En parlant de Chambre députée, m'a mieux voté pour bailler Nancy Pelosi un autre mandat. Ça fait quatrième fois député californien élu comme président Congrès. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Et il faut me dire que secrétaire d'État Georgia, Brad Raffensperger, lui-même lui dit que le président allait dans mauvaise direction. Il dit président et il allait wrong. Ça veut dire aller dans mauvaise direction. Et donc situation très tendu par bon ici et en pile yeux braqué sous Congrès américain. Nous parlons de l'autre nouvelle. On va suivre rendez-vous info n'a pas mettre depuis Washington DC. Dans l'autre nouvelle, Iran a annoncé jeudi à l'y commencer enrichir uranium à 20%, ça qui représentait dernière étape par rapport à un accord international litésien à quelques puissances occidentales en 2015, accord qui était limité pour gramme nucléaire là et en retour pour le recevoir un allègement dans sanctions qui a pesé sous dolio. Média l'État a cité porte-parole gouvernement Ali Rabiei qui confirmait début enrichissement jeudi lundi dans l'installation Fort Doyo qui en dans yon montagne. Avant ça, Iran est arrivé dans niveau 4,5% dans enrichissement uranium. Président élu américain Joe Biden exprimé volonté pour États-Unis retourner dans accord nucléaire avec Iran à condition que Iran conforme. Dans l'autre nouvelle, un juge britannique rejeté requête responsable américain fait pour la Grande-Bretagne t'a extradé aux États-Unis. Fondateur WikiLeaks là, Julian Assange, dans l'idée pour venir faire face à paquet accusations qu'a pesé sous dolio parmi eux zak espionnage ak publication yon paquet documents confidentiels qui gen rapport à guerre en Irak et en Afghanistan. Juge Vanessa Baritzer déclaré jeudi lundi 4 janvier 2021 dans tribunal Old Bailey dans ville Londres. Assange capable de tout et tête li si autorité britannique voyait aux États-Unis. Et juge la même passé l'ordre pour yo libérer. Avocat cap défendre gouvernement américain fait connait yo pral en appel par rapport à décision ça. Assange qui gagne 49 ans et qui te prend naissance dans pays Australie gagne environ 17 accusations cap pesé sous dol, accusations qui t'a ka fait recevoir prison à vie ou bien 175 ans prison. Et puis pour finir dossier coronavirus là, dans la Grande-Bretagne, secrétaire santé Matt Hancock déclaré jeudi lundi, gouvernement pas mettre à côté possibilité pour adopter nouvelles restrictions pendant que coronavirus là continue à gagner même dans zone qui en bas en pile restriction. Monsieur Hancock précisé nouvelle variante ou bien nouvelle souche COVID-19 là propager plus facilement et système restriction à trois niveaux pays a pas vraiment efficace. Et puis aux États-Unis, question vaccin toujours dans l'actualité et il a fait débat parce que en pile monde estime que vaccin pas assez administré en dans population. Nous connaît habitants pas miser la ville. On braler. Maler, même m'a quitté nous dans bras papa Bodje parce que c'est lui-même qui bail protection la vie avec la santé. Non pas monsieur Foucault. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention trans journal ça. Moi espérer toute bagaille praler en bien pour vous. Pas oublier avant sortir songer prier et leur tourner tout songer prier ça très très important. Non pas monsieur Foucault, moi t'es content passer moment ça ensemble avec nous et m'a toujours été connecté ensemble avec nous. Rendez-vous cassé pour une autre vidéo. Mesdames, mademoiselles et messieurs,
Au revoir.